Je chuchote parce que tout le monde dort encore. Il est très, très tôt. Et ouais, moi, je me suis réveillée tôt parce que je vais m'entraîner aujourd'hui à chanter. Bah oui, ça y est, j'ai été acceptée à l'émission The Voice. Je passe jeudi à la télé. Je suis trop excitée, trop contente. Mais j'ai un petit peu peur quand même. J'ai le trac. Bon, il suffit de bien s'entraîner et tout va bien se passer. Voilà. Alors, je vais te faire la phrase du jour et après, je te donnerai la réponse. Allez, tu prends ton crayon? Ou alors, ton feu de Velleda? Ça dépend. Tu choisis d'écrire sur ton ardoise ou alors sur une feuille. Allez, à tout de suite. Et t'écoute bien quand je te fais la phrase. Alors, on reprend le début d'hier. Je vais. Attention. Et il y a une lettre muette aussi. Je vais acheter. Le verbe ici, il est à l'infinitif. Acheter. Je vais acheter du lait. C'est le même « est » que « vais ». « Lait » avec la lettre muette. Souviens-toi. Je vais acheter du lait et, c'est le petit « et » qui dit « plus » et un, trop facile, un poulet. C'est le même « est » que le petit mot « est ». Voilà. Allez, je te relis tout. Je vais acheter du lait et un poulet. Point. J'espère que tu n'as pas oublié la majuscule au début de la phrase. Hein. Allez, tu te relis et je te montre la phrase avec tous ses pièges. Voici la phrase, la réponse. Tu regardes bien ce que toi t'as écrit et comment il fallait écrire tous les mots. Alors, le « et » qui dit « plus », c'est le « et ». « E-T ». Après, le mot qui est un petit peu plus dur, c'était « poulet ». P-O-U, poulet. L-E-T. C'est pour ça que Madame Alexandra, elle appelle les filles les petites poulettes. Là, on entend le T à la fin quand elle dit poulette. Allez, regardez bien, photographie bien cette phrase. Parce que demain, jeudi, Madame Alexandra, elle te rajoutera encore des mots. Et oui!